que Lisa. Voilà. Et nous allons faire. Nous allons fabriquer un fantôme avec un bout de papier toilette. Oui, ça lui, les fantômes, hein, on va en faire. Oui, et après nous ferons une citrouille avec aussi. Mais avant, nous allons fabriquer un fantôme. T'as une idée de comment on va faire? Ça? Non. Ah, on passe tout de suite aux explications. Salut à toi. C'est parti. Bienvenue dans la série Halloween. Pour un rouleau d'essuie-tout ou de papier toilette, comme moi, il nous faut de la peinture blanche et noire. De la gouache, vous prenez dans votre sac d'école ou dans le sac de votre fils. Ou un crayon noir si vous n'avez pas. Un pinceau et une paire de ciseaux. Allez, c'est parti, passe au bricolage. Les amis, je sais pas, tu veux lui faire des bras ou tu veux pas lui faire des bras? Pour faire des bras, vous non, bah les fantômes, ça n'a pas de bras. Ouais, donc. Nous allons faire des triangles comme ça tout le tour. Comme ça, des triangles. Mais c'est moi qui m'embature. Ouais. Vous faites des triangles tout le tour. Avec un gros pinceau, je vais m'embature. Faites quand même des. Je veux dire des écarts entre les picots pour dire que ça tient quand même. Ça, c'est la peinture blanche. Ça, c'est la peinture. Vous voyez? On peut en faire des plus petits, des plus grands, n'importe. Ça des amis. Au moins, ça tient debout, quoi. Regardez. Là, sur la main, ça va pas détenir. Regardez, comme là, sur la main, ça tient à peu près. Je veux dire, ça doit donner ça à la fin. Après, pour le haut, vous pouvez faire aussi un effet arrondi, comme ça. Hop, voilà. Comme ça, regardez. Un effet arrondi. Voilà. Là, vous pourrez poser votre téléphone dessus si vous voulez. Ah bon? Oui. Ah ouais, même ma soeur, elle avait ça trop dedans. Bon, on continue. Je vais protéger mon plan de travail avec une feuille que j'ai mis, voilà, une grande feuille. Et maintenant, Lisa va peindre ceci. Ouais. Allez, let's go, c'est les amis, regardez notre belle petite décoration. Hop, regardez, vous croyez dans la décoration. Ouh, ça a tourné. Il y a des petits fantômes et tout ça, très très sympa, des petits squelettes, voilà. Vous pourrez retrouver ça à chaque fois dans mes vidéos. Déjà terminé de peindre en blanc, maintenant nous allons laisser sécher au soleil. Sur noir, en fait, vous n'allez pas en avoir besoin, à part si vraiment vous avez un petit pinceau pour faire les yeux. Mais nous allons faire les yeux avec un marqueur. Donc voilà. C'est moi. J'en fais un, t'en fais un. Parce que toi, t'as rien fait. Faut que je le fais bien aussi. En gros, je crois que dans les vidéos, on va faire. C'est sûr qu'on va faire un fantôme avec toi. Je crois que c'est comme ça. Arrête. Notre œil. T'as fait la côté. Donc ça serait un fantôme un petit peu pas droit. Un fantôme très débile. Et j'ai mis beaucoup de peinture. J'ai fait la bouche aussi. Donc les amis, vous pouvez voir la super décoration que je suis en train de détruire pour prendre une étoile d'araignée. Oui, ça, ceci est censé être des toiles d'araignée. Tu fais le mien ou pas? Ouais, et la bouche. Regardez que tu fais une bouche. On dirait Monsieur Jack comme ça. Monsieur Jack, la bouche, c'est comme ça. Ouais, prends plus frotte maintenant parce que je suis venue avec une peinture parce qu'elle n'est pas bien sec en fait. C'est pas très intéressant. Hop, le scotch on peut le ranger parce qu'on en a pas besoin. Et la peinture. Notre petit fantôme est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. En fait, je crois que toi t'as découpé et moi j'ai découpé. Voilà, ouais, moi j'ai juste découpé quand même. Mais t'as repassé le blanc parce que j'ai. Ouais. Et t'as fait un œil, c'est déjà bien. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va la placer dans le décor, on peut la placer où? Là. Non, on va pas pouvoir accrocher en hauteur non plus. Oh, mais là, ça va tomber.
Avec les araignées. Ici avec quelques araignées. Non mais cette fois près de la citrouille. Une petite araignée sur la tête. Il faut mettre une toile d'araignée, non? J'espère que cette petite fabrication vous aura plu. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye, bye. Johnny, la gente está muy loca. What the fuck?